Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droïd Tech et aujourd'hui, c'est parti pour un jeu de plateforme Puzzle Adventure sur Nintendo Switch. Et oui, donc là actuellement, c'est le jeu en version démo. The Lightbringer en version démo. Le jeu sort que le 7 octobre 2021. Voilà, sur Nintendo Switch. Donc on va pas sortir. Pour l'instant, on va se faire la démo. Pourquoi j'ai pris ce jeu-là? Parce que, en fait, il est archi kawaii. Il me plaisait bien. J'ai vu un petit trailer et je me suis dit, allez, vas-y, go, on va se le faire. Donc le développeur, c'est Rocksquare Thunder. L'éditeur, c'est Zordix. Je le connais pas. Donc on va dire que c'est un indie. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut y jouer à un seul joueur. Pro contrôleur, manette Switch et tout ça. Joy-Con, tu connais. Voilà, tu peux jouer avec. Il n'y a pas de problème. La taille du jeu, fou là. Quand elle sera installée sur ta Nintendo Switch, tu prends version des maths. Je pense pas qu'il y ait une version physique. Ça sera à 3 Go, voilà tout simplement. Au niveau des langues, japonais, français, allemand, donc tranquille. Bon, on n'a pas fait les paramètres, on reviendra dedans tout à l'heure. Donc là, je l'ai pris tranquillement en version démo, je voulais tester. Et on va voir, donc je le dis bien. You shall succeed where I have failed. In clearing our world from corruption's might. And as the Lightbringer be hailed. Et moi, ce qui m'a plu dans le trailer, bah voilà, c'est le côté kawaii, super joli. Ça me fait penser un petit peu aux Zelda qui étaient sortis sur Nintendo Switch, voilà, et quelques bons jeux. Donc au niveau des commandes, là actuellement avec le joystick de gauche, bah, je peux déplacer mon personnage. Avec le joystick de droite, bah, pour l'instant j'ai la caméra, donc c'est impeccable. Ça c'est archi bien dans un puzzle game, de pouvoir voir où tu peux aller, ça c'est nickel, franchement moi j'adore. Avec le B, je peux sauter, double saut, enfin, impeccable. Y et X ne sont pas signés pour le moment, et avec A je peux faire des roulades, donc j'espère. Le jeu est classage PEGI 3, donc c'est-à-dire que tous les enfants, il est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de son et tout ça, donc c'est vraiment impeccable. Hop, 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 hop. En même temps, je suis sur mon PC, je vous fais la découverte. Et ça fait un petit moment que je lorgnais dessus, je vous le dis. Même si je l'avais vu, j'ai vu le trailer sur YouTube, mais voilà. Du coup, j'en avais un petit peu entendu parler et j'ai hâte d'avoir le jeu. Je ferai peut-être une putain de découverte sur Twitch, tranquillement, un samedi ou un dimanche où je suis tranquille, voilà. Donc c'est un jeu de plateforme aventure puzzle qui vous invite à arpenter un monde coloré. Où la corruption prend peu à peu le pas sur le merveilleux. Votre mission, réussir là où votre sœur a échoué et ramener la lumière. Voilà. Donc on va le découvrir ensemble. Donc voilà pour le saut. Donc là ça vous apprend les commandes, c'est impeccable. Moi j'adore quand t'as un petit didacticiel comme ça qui te prend pas la tête. Qui te demande pas direct un didacticiel avec du high score. Ou bah t'apprends le jeu comme ça direct et c'est bien. Gaze upon these glorious lights, spread across mysterious lands. Je voulais regarder, redémarrer, paramètres. Qu'est-ce qu'on a dans les paramètres? Hop. Langue française, mais par contre, on n'a pas. Voilà, si vous posez la question, on n'a pas les voix en française. C'est uniquement. Donc là, je peux monter là. Tac, tac. Donc il va falloir que j'aille là-bas. Hop, hop. Donc moi, c'est le genre de jeu que j'adore. Jouer vraiment en mode child. Tu vois, tu te poses, tu veux pas te prendre la tête, tu veux pas farmer, enfin voilà. Puis ça change de tous les gros jeux qu'on nous sort. Voilà, là t'as un petit jeu. Et merde. It will harden your will. When you are wounded, it will help you stand still. Bon, je vous fais pas la lecture, vous savez lire. Après, si tu sais pas lire, bah tu prends ton temps. Hop, y'a quoi par là? J'espère que je vais pouvoir y aller. Hop. Merde! Ah, évidemment. Putain, j'aurais dû mourir, là. Là, c'est mal donné, là. Ah, non. Ouais, bah, ouais. Je pense pas que je puisse y aller. Ah, non, je peux pas y aller. Oh, je suis en train de mourir inutilement. Hop. Oui. Impeccable. Mais ça me sert à quoi? À contempler. Impeccable, j'ai fait tout ça pour contempler un putain de truc. Ok. Je suis un peu deg. Là, il y a une corde, mais ça me sert à rien. Donc, ouais, je l'ai pas dit, mais avec R. Ouais, c'est R, je peux courir. Voilà. Et j'ai mouru. Donc là, je pense qu'il va falloir que je cours un petit coup. Non! Putain, j'avais un double saut là! Ah merde, non il veut pas. Bah, je vais peut-être recommencer le niveau là si ça continue. Bah, j'ai réussi le double saut mais pas au bon moment. Ouais, nickel. Impec. Donc il est super beau graphiquement, moi j'adore. On est sur Nintendo Switch.
Et je vous le dis, hein, 15 balles le jeu, une fois, il sera à 15 balles, hein, une fois que le jeu sera sorti. Du coup, je me dis que c'est pas mal. Franchement, quand on voit des grosses merdes qui sont faites sur Switch, et que tu vois ça, bah ça te laisse à réfléchir. Et moi, c'est tout vite vu. Je préfère mettre 15 balles là-dedans que dans une grosse licence à 60 balles où le jeu est tout pourri. Voilà. Parce que les petits studios de demain seront les grands. Les petits studios d'aujourd'hui seront les grands de demain. Donc, why not? Là, je me suis pris Kena sur PC aussi. Magnifique petit jeu. J'ai pas pris sur PS5, je préfère le prendre sur PC. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc par là. On va essayer de le prendre. Après, si on meurt, c'est pas grave. Bah tiens, si on meurt, c'est pas grave. Recommencer le niveau. Bah ouais, bah, pas le choix. J'ai pas le choix de recommencer le niveau. Bon, un peu punitif, parce que si t'arrives à la fin du niveau et puis tu te fais zeber. Bon, après, c'est à moi de pas mourir autant, mais bon, je le découvre le jeu, je le connais pas. Ah, du coup, je vais être obligé de me retaper tout là. Oh putain, c'était pas prévu ça. Ah, il y a une potion là-bas. Comment je vais la chercher? Ouais, d'accord. Je sais pas comment on fait là. Parce que là... Ah bah là. Tout simplement. Une potion, ça doit être un cœur ou... un truc du genre. Hop. Le jeu tourne bien. Y a rien à dire. Hop, là j'entends par là. Tranquille. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, franchement, je kiffe. Hein. Alors, tu vas me dire, ouais, ça fait que quelques minutes que tu joues, tu peux pas te faire au jeu. Non, mais après, voilà, t'as le feeling ou t'as pas le feeling. Après, c'est sûr que peut-être que le jeu, il pue la merde après, quoi. Mais déjà, si tu t'éclates dès les premières minutes, c'est un signe. Après, évidemment, je pourrais te donner mon avis une fois que j'aurai fini le jeu. Ça, c'est sûr. Bon, comme là, je suis en version démo, finir le jeu, ça va être un peu compliqué. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment ouvert à tout le monde. C'est excellent. Moi, j'adore. Du coup, lui, je vais le mettre là en attendant. On va essayer de pas mourir. Ah oui, Jackie, on va essayer de pas mourir. Oh putain, j'ai failli là. Un petit peu de mal avec le double saut pour le moment. Il va falloir que j'apprenne un peu à maîtriser mon double saut. Bon, je vous le redis, mais j'ai lâché les deux Joy-Con pour le Pro Controller. J'avais plein cul avec le... Joy-Con Drift de tout le temps changer mes Joy-Con. Même si je l'avais pas pendant un petit moment, mais là, à force de jouer au jeu, puis d'essayer de les poncer et tout, bon, laisse tomber. Hop. Donc pareil, vous pouvez nous rejoindre sur Lagata TV sur Twitch. Prochainement, il va y avoir des streams. Et là, actuellement, il y a un long play de Rise of Culture. Je vais le présenter aussi sur Lagata TV. Ok, d'accord. Donc quand j'entends par long play, c'est un long play H24, et puis du coup bah, je suis en train de faire le jeu, mais c'est super long. N'hésitez pas à nous rejoindre, donc Gata tiré du 8, ou underscore si tu préfères. Donc Gata underscore TV, ok là je peux rien faire. Oh, un boomerang, ça te rappelle quelque chose? Je te dis, il y a pas mal de similitudes avec le Zelda. Graphiquement, j'aime bien, niveau gameplay, j'aime bien aussi maniabilité. Bon, voilà, ta langue de caméra et tout, franchement, il me botte bien. C'est une petite version démo, donc je pense que je vais avoir le droit au premier level. Peut-être le deuxième, je sais pas. Mais moi, je kiffe bien. C'est assez rythmé et tout, puis en plus, adventure, puzzle, plateforme. Bon, bah voilà, t'as réuni ça. T'es tranquille pour des longues heures de jeu. Donc là, comment on le contrôle? Alors, je peux lancer avec Y. Ok, et on m'a dit ZR. Donc avec ZR, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, nickel. Ah, puis je peux aller de plus en plus loin encore. D'accord. Ouais, c'est de l'intensité ou aller plus loin, je sais pas. Mais je verrai ça avec le temps. Je pense plus de l'intensité. Hop. Ouais, non, c'est peut-être pas de l'intensité parce que du coup, j'ai réussi à péter les... Je sais pas, à voir. Aller plus loin, lui donner plus de force. C'est peut-être ça. Mais là, j'ai pas besoin. Hop.
Nickel. Je sais pas ce que c'est, si on peut vraiment parler d'intensité, c'est bizarre. Ok. C'est étrange. Oh là, la caméra qui tourne comme ça, j'adore. Moi, t'es pas baisé comme dans des jeux où t'as le lock de la caméra qui te casse les couilles là parce que tu peux pas faire ce que tu veux. Là, franchement, c'est impeccable. Donc, je vous le redis, je suis sur Lightbringer sur Nintendo Switch. Normalement, il y a peut-être une version PC. Tout support PC, Switch, après ce que je vois sur l'affiche là. Bon, après avoir, vous me direz dans les commentaires. Hop, quel. Donc là, on va voir au niveau de la. Je pense pas, ouais, là, je sais pas ce que c'est. Non, ouais, c'est pas de la puissance, c'est aller un peu plus loin, lancer un petit peu plus fort. Hop, 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 viens par là, toi, hop. Ah, franchement, je kiffe bien. Putain, évidemment. J'ai un problème avec le double saut. Il faut que je le maîtrise. Sinon, je vais. Ça va pas le faire. Oh putain, non, bah non, c'est pas ça. Un petit jeu comme ça le samedi dimanche. Au soir, ouais, peut-être un dimanche pépouze entre nous là. Avec les petits droïdes. Non mais putain de. Eh, mais, eh oh. Là j'y arrive, et là j'y arrive pas. Là j'y arrive, voilà. Bon angle de caméra et on est tranquille. Si ça vous dit, dites-moi le dans les commentaires, pareil, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là. On est là pour parler tranquille, pépouze. On n'est pas là pour se prendre la tête. Ah, il y a un truc en bas là. Il manque juste les petits cœurs, puis ça aurait été bien, mais bon. J'ai hâte de voir le jeu vraiment dans sa version full. Bon, la petite baisse de framerate, on l'a vu. Mais bon. Là, on voit, hein, ça lagouille un petit peu. Par contre, là, je peux pas aller par là. Enfin, je tourne le truc, quoi. Ouais, c'est compliqué, là. Ah non, peut-être avec... Ah, je vais essayer, justement. Hop. On va voir. Hein. Je promets rien. Ah, viens par là. Oula, là j'ai appuyé sur ZR. Super. Ok, là on le voit. Oui, super loin. Impeccable. Oh, le jeu du boomerang là. Super. Hop. Là il y a quoi là? On récupère les petits cristaux. Là par contre, tu vois. Ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai pas une vue un peu plus loin sur la plateforme. Du coup, regarde, là je t'explique. Là je reviens là, tu vois. Là je suis baisé là, tu vois. La caméra va pas un peu plus loin, du coup je peux pas prendre les devants. Un peu chiant. Bon, la roulade, elle m'a servi à rien là. Ok, là ça sert à rien non plus. Là ça sert à quoi là? Si je vais dessus. Rien. Ouais, non, on va pas mourir. Hein. Ok, bah je crois que j'en ai ramassé assez, je pense. Non. This slime fades thanks to your deeds, just like darkness hides from the light. Forward you go where destiny leads. As Lightbringer, you'll make it. Putain, franchement nickel. Allez, franchement il est super beau. Allez, on passe le portail. Il est chatoyant, il est kawaii. Moi j'aime bien ce style là, franchement, comme dans. Ouais d'accord, on s'en fout. Le sound design, ça va, ça te casse pas trop les oreilles dans... Là, ça va. En façon, en mode adventure puzzle, t'as pas besoin d'un jeu qui te casse les oreilles. Ok, bon. Oula, ah ouais, d'accord, ah c'est pas mal ça. Oh putain, ah des sables mouvants. Ok, ah bah c'est nickel. Impeccable ça. Putain, c'est beau, hein. On voit quand même quelques baisses de framerate quand même. C'est dommage. Oh putain. Vas-y, casse-toi, toi. Oh, tu me fais chier tout de suite. Ah, là, je sais pas. Ah ouais, un niveau dans un niveau. Ah ouais, pas mal. Après, faut voir la durée de vie aussi. Voilà. Je pense pas quand même claquer le jeu en 2 heures. Ou alors... en hard, mais... là, c'est un petit peu pompé de Zelda quand même. Allez, chouille quand même. Allez, chouille. Mais bon. Et après...
Qu'est-ce qu'il va lui? Oh le bâtard, il m'a éclaté. Ah ouais. Donc là c'est là où la dextérité joue là. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Vas-y, j'y étais là. Non, c'est pas ce qu'il va faire. Vas-y, on va pas y arriver là. Putain, j'essaie d'anticiper, mais. Bon, d'accord. Ah, bah non, c'est un. Bah, pourtant, c'est bien le boomerang, hein. Ouais, c'est bizarre là. J'ai le boomerang, mais ça fait rien. Là, ça sert à rien. Bizarre, bizarre, ça, c'est très étrange. En plus, c'est pas une cible à boomerang, c'est plus une cible à des arcs et des flèches. Alors, ouais, un peu trop bu là. Alors, franchement, nickel. Je reviens sur la maniabilité, y'a rien à dire pour le moment. Juste l'angle de caméra qui me. Hop. Là, je sais pas ce que c'est un checkpoint là. Ah. Non. Oui, démarre. Que ça m'aide. Oh, impeccable. Ah, ça non plus, je peux pas les péter. Il y a une raison. Là, il y a un truc là-haut, mais il va falloir que j'y aille. Et puis pour l'instant, il y a rien à récupérer. Hein. C'est la med. Oh, le petit son là, écoute. Hein. Attends, je vais me taire 30 secondes, mais écoute, écoute. Merde. Vas-y, démarre. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Ouais, là, il y a un truc là, mais. Quoi ce délire encore? J'ai pas réussi déjà tout à l'heure. Ah. Ok, bah, pourtant tout à l'heure j'avais bien tapé hein. Bon alors j'ai mal. Peut-être mal fait. Oh putain. Lui je peux pas le tuer. C'est dangereux quand même, c'est dangereux. Oh le petit son là dans les oreilles il fait plaisir. En plus maintenant vous avez vu avec la nouvelle mise à jour de la Switch là, tu peux me mettre ton casque Bluetooth tranquille. C'est archi bien géré, donc tant mieux pour nous. Putain. J'espère qu'on aura le choix des armes après, hein. Il y a un système, je sais pas. Putain, j'ai quoi là? Ah oui, non. Là, je le range. Ok. Voilà, je sais pas ce que j'entends là-haut, mais c'est pas. Ça fait peur. Alors là, il y a quoi? Il y a un canon. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller par là? Bon, ça commence à être chaud là quand même. Petit puzzle game qui commence à être chaud, mais qui fait zizir. Là, il y a quoi par là? Pas non plus envie de poncer le jeu trop rapidement. Est-ce que je peux aller par là pour aller par là? Ouais. Waouh! Viens par là, toi. Bon ça va, les ennemis font pas trop yesh. Donc ça fait zizir. Non, 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 non. Non, non, oui, 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 ça je veux, ça je veux. J'étais pas dans le bon angle de caméra mais l'action était belle. Hop, hop, on continue. Oh putain, mais non, c'est pas possible là. Je le fais bien tout à l'heure et là je le fais mal. Bon par contre là tu perds. Ouah putain. C'est archi punitif. Parce que j'ai pas envie de recommencer le niveau. Hop. Faut que je recalcule, j'avais calculé tout à l'heure. Voilà, hop, on va attendre un petit peu que ça s'arrête. Puisque je peux courir, je suis con. Et je pense que j'ai terminé. Ou pas. Ah, il y avait encore du monde là-bas, tant pis. Tant pis, tant pis. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, je peux pas.
qu'en parlant au monsieur. Ah non, je crois qu'il n'a rien à péter de moi en fait. Il s'en balec. Qu'il faut que j'aille là-bas. Pouah, je sais pas où j'atterris, mais laisse tomber. Je peux rien faire. Ah oui, il y a une soufflerie là. Il y a quoi par là? Oh, c'est chaud. Non, putain, ah ça s'est mal branlé là. Oula, oula. Oh putain, tout ça pour... voilà, là, tout ça pour une... Ouais, d'accord. Ok, et du coup, il faut que je recommence. Ouah, c'est la merde. Je sais même pas comment faire pour retourner. C'était à réfléchir. Bah du coup c'est pour ça, tu vois, t'es en stream sur Twitch là. Et bah t'es tranquille, parce que du coup t'as un petit peu de soutien aussi. Parce que je peux reprendre la porte, mais la porte elle va rien me donner, et là je peux pas y aller. Donc je suis obligé de me repéter le niveau, où je suis revenu. Oh là 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 là. Oh c'est la merde. C'est la med. Ouais. Ouais, les ennemis repopent pas par contre. Ça c'est... Alors ce qu'il faut le prendre comme une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais ça repopent pas. Merde. Vas-y, casse-toi, là. Et ça, je crois que je peux l'avoir, mais de... Pas par là, la carapace. This labyrinth. What a mysterious place. Ouais, ouais, bah ça, j'avais vu que c'était un labyrinthe. T'inquiète, hein, j'ai pas besoin de toi, là. Ça, je l'aurais bien vu. Ah, puis il veut pas bouger, oh, évidemment. Évidemment, hein. Pourquoi bouger? Pourquoi? Ah si, mais putain, me fais pas chier, toi. Ah. Mais je sais pas ce que je tourne aussi, là. Je tourne quoi, là? Ah, le ventilo! Oh là 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 là. Oh l'enfer. Pff, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, bah... Et dans l'autre sens, c'est quoi? Non, ah, c'est par là. Oh là 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 là. Ah bah le premier niveau, il était bien. Hein. Alors là, je sais même pas. Ah oui, il faut aller par là. Ah ouais, carrément. Ok. Donc je le redis, je suis sur Live Hunters, la version démo sur Nintendo Switch. Une petite présentation du jeu. Tranquille pépouze entre nous. D'ailleurs, je vais bientôt m'arrêter pour la démo, parce que comme j'ai envie de faire le jeu en entier, et puis je vais pas vous spoiler non plus tout jeu, mais niveau maniabilité, vous avez vu, il n'y a pas de problème. Petite baisse de framerate là sur la démo, j'espère que ça sera corrigé. Non ! Moi, je crois que je suis mort. Et si je suis mort, on va se laisser là. Recommencer niveau. Bon bah voilà. Donc, The Lightbringer sur Nintendo Switch, le jeu sort le 7 octobre au prix de 14,99€. Voilà, jeu de plateforme aventure, puzzle, il fait super zizir. Au niveau du sound design, il n'y a rien à dire, gameplay pareil, hein, franchement je kiffe. Pour moi c'était une découverte, une first découverte. Voilà, donc attention, on a le texte en français, donc c'est de la BOSTFR. Mais par contre les voix sont en anglaise, donc c'est pas du full FR comme précisé. Bon bref, là moi actuellement c'est la version démo. Moi, elle me plaît bien. Et comme je vous l'ai dit, on va peut-être ou sûrement se retrouver sur Twitch ensemble, un samedi ou un dimanche pépouze ensemble, pour le faire. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'Agata TV de Twitch, tout simplement. Le jeu est ouvert à tout le monde, 15 HP Guy 3. Voilà, au niveau des langues également, anglais, espagnol et tralala, mais ça je l'ai déjà dit. 3Go une fois installé sur ta micro SD, pour 14 balles, en espérant que la durée de vie soit longue, mais sachant que c'est un puzzle game, enfin, un puzzle adventure, je pense que la durée de vie va être longue. On verra ça ensemble. En tout cas, pour moi, c'est un grand oui sur la Gata TV et c'est une petite pépite. Voilà, je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.